Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour le 8ème épisode de Rogue Trader Warhammer 40000. Alors il y a une tourelle qui fait de l'assaut, je sais pas si elle va se déclencher à mon approche, mais bon, on va s'offrir un petit tour de piste. Fouille des cadavres. Ok, on prend tout. Activer les tourelles. Ça j'utilise des rites mécaniques. Ça, la logique de Pascal. Oh Pascal, s'il te plaît. This exploratory is blessed with multifunctionality. I won't heed your cries of mercy. Are you ready to die? J'ai l'air de se passer des trucs là. Alors. Abélard. Impeccable. Je peux changer les armes d'Abélard en main là, genre passer sur un petit. Non, je peux pas. D'accord. Bahardor. Voilà. Bahardor ici. Argentin. On va te mettre devant le poste. Il n'y aura pas beaucoup de couverture hein, les enfants, il va falloir vous friter un peu. Hop, ici, hop, là, hop, on est content. On avance d'un poil, voilà, juste pour le fun. Oh, deux poils, oh non, allez, vas-y, hein, zéro poil. Hein. Faut que ce soit les deux bourrins qui prennent. On commence. On commence, on est chaud, le stade est chaud. Moi, je vois pas de raison de taquiner l'adversaire. On devrait en profiter pour les laisser nous venir dessus. Oh, oh c'est sexy ça un peu, fais voir. Oh, c'est pas mal, hein. C'est joli mec ce que tu fais. Moi j'aime beaucoup. Inquisition. Déflexion pour tout le crew. Victory. La shiftance. Impeccable. Le prochain coup fera la tronche comme Jaja. Wow, ça c'est de la tourelle. Hein. D'accord. Bah, je sais pas pourquoi on est venu, mais toutes les armes situées dans une très large zone bénéficient d'effets supplémentaires. Oui, le recul, tout ça, de l'intelligence. Oui. Et ça c'est quoi? Bannissement de l'esprit de la machine, réduit les dégâts infligés par toutes les types d'ennemis. Analyse des ennemis. Et tout qu'on doit, je viens à l'opérateur, les attaques de ses alliés, neutralise les exploits et inflige plus 6 dégâts en plus. Allez. Ça, c'est un code. Ah non, c'est une zone. Ok, c'est juste que je pose une zone, comme As. La zone m'amène. C'est dommage, la tourelle n'est pas considérée comme un allié, ça c'est bien dommage. Je peux passer beaucoup trop loin, bah, passe ton tour. C'est beaucoup trop loin, passe ton tour. Prends des dégâts là. Prends des dégâts. Hop. I am a navigator, not a servitor. Ah oui, non, c'est option. Ah, je peux pas tirer? Non. Il fait une mauvaise blague. Tiens là. Ouais, je fais ça bien. Bien joué, ma gueule. Rien à foutre. Ça m'intéresse pas. Voilà. Ça fait quoi? Les soldats acquièrent la capacité de lancer un nombre d'attaques supplémentaires égal à la cadence de tir de son arme, minimum 2. En utilisant l'attaque de son arme qui coûte normalement le moins de PA. Ses attaques ne coûtent aucun PA. Oh, c'est rigolo ça. C'est rigolo. On va d'abord déplacer la madame. Et puis on va d'abord shooter avec un petit 2, au calme. I will not. Quoi? Je crois qu'il y a un petit problème avec mon clavier. As the Emperor commands, I act. Oh la sauce! Honteux! Power resides in the will of the righteous!
de feu. Fire in the hole. De feu encore. Plus de feu. Bon, bah, j'ai pas plus, hein. Tac, tac, tac. Tire à la volette. Voilà. Hop. Et hop. Allez, à la volette. Wow, c'était pas hyper déterminant. Okay, ça remonte, ça remonte. La pression monte. Let's get to it. Here we go. Je sais pas si je devrais faire ça. Les tourelles, ça joue quand? Ça joue bien après tout ça. Tourelles, ça joue après Abelard. C'est chaud. C'est chaud, c'est charrette. I shall not fear. Opposing me was your biggest mistake. Je sens que je vais me faire défoncer par la tourelle. J'ai une vague impression comme ça de. I've seen worse battles than this in my time. I took care of this one. Bien joué, man. Victory is imminent. On a mis la pression quand même un peu, non? Tu ne sers à rien. Ouais, tu peux venir ici. Hop. Faire ça. Allez, parfait. Et fou. Problème terminé. Boum badaboum. Bon, parce que c'est pas le personnage le plus utile du coup, hein. Bon, après, faut voir ce qu'il vaut en tir à distance et compagnie, mais. Peut-être que j'équipe mon crew aussi un jour, peut-être voir. Ça pourrait peut-être m'intéresser. Rien de planqué sur le bas-côté, rien de planqué sur le bas-côté, on peut se tirer. Allez. Et peut-être très agréable cette petite phase où tu as 24 bonhommes en face de toi, 2 tirs de tourelle, il en reste 5. Un peu rigolo. Enfin, ça croit un peu plus quoi, mais. C'était rigolo. Ok. Découvrir ce qu'il se passe. Un jeune homme en uniforme de garde planétaire vous salue. Votre seigneurie, soldat Camille Régias, prêt à vous escorter au centre de commandement pour votre rencontre avec le gouverneur. J'ai le regret de vous annoncer que le convoi envoyé à votre rencontre est tombé dans une embuscade et a subi de sérieuses pertes lors de violents combats contre les rebelles. Pour résumer, moi seul en ai réchappé. Cependant, les troupes rebelles ont été décimées, elles aussi. Nous pouvons nous rendre au centre de commandement. Le mec est cool. Souple. Le pourcentage d'échecs de l'armée de ce monde dans l'accomplissement de ses objectifs de combat témoigne de sa médiocre efficacité. Je vais conseiller aux dirigeants locaux de solliciter l'aide de ma confrérie pour transformer ses troupes en manipules de servitors. Ah ouais. Alors c'est pas toujours très cool, hein.
Votre uniforme me fait une drôle d'impression sur vous, soldat. Comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Toutes mes excuses, votre seigneurie. Le soldat se redresse et se met à ajuster son équipement. C'est un nouvel uniforme. Les gardes traversent une mauvaise passe, alors on nous distribue souvent ce qu'il reste et la taille n'est pas toujours la bonne. Ok, vous avez la bouche toute boueuse, soldat. Vous cachez quelque chose derrière des teintes rayonnantes de foi et de loyauté. De quoi s'agit-il? Le soldat déglutit nerveusement sous le regard austère de Cassia. Ma peur, peut-être, par les temps qui courent, on n'a aucune chance de s'en sortir si on se laisse aller à la faiblesse. Mais moi, je tiens encore à la vie. Il dira, grimace, vous lance un regard et secoue la tête. Comment tu t'en es tiré, mon gars? L'empereur m'a protégé, répond le soldat sûr de lui. Je ne me suis pas enfui, votre seigneurie, si c'est ce que vous pensez. Je suis resté près de mon commandant jusqu'au bout. J'ai abattu le dernier rebelle de la bande qui nous attaquait, mais hélas, le capitaine a succombé à ses blessures, et les autres étaient déjà morts. Que l'empereur accueille leurs âmes. Que pouvez-vous me dire sur l'insurrection? La populace ingrate s'est révoltée contre le gouverneur légitime de la planète et sa seigneurie Caligos Winterscale, notre souverain par la volonté de l'empereur. Ce ne sont que des hérétiques méritant la pire des morts. L'ordre va être rétabli. Les coupables seront punis. Assez parlé, rendons-nous au centre de commandement. Bien, votre seigneurie, nous devons suivre cette avenue. Elle va de l'astroport au centre de commandement. Ce n'est qu'à quelques pas. Laisse-moi deviner, Fire in the Hole. Ça raconte quoi ici? Un objet large et lourd a dévasté la rue dans toute sa largeur, vous ne pouvez qu'imaginer. Ce qui a bien pu provoquer ces dégâts aussi colossaux. Ça peut être une navette qui s'est éclatée là. Et là? La tour du temple s'est effondrée sur la chaussée et barre le chemin. Il faudra plusieurs jours pour dégager les gravats. Ok. Halt. I noticed something. Putain! Je prends tout. On a vu du butin. Là, il y a un butin là. We can see the butin. We are butin. La porte du temple refuse de s'ouvrir. Elle est peut-être bloquée par des gravats de l'autre côté. Ah là 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 là. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir faire la montée de niveau. Et on devrait pouvoir accéder par là, puisque la salle est dessinée. Ça raconte, pardon. C'est sûrement cette navette qui s'est écrasée sur le bâtiment, détruisant une partie de la rue. Non, c'est vrai. Alors, technométrice de Pascal. Technométrice de Pascal. Les uniclés, charge à fusion. Ça, on parle bien de l'essai de l'individu, hein, pour moi. C'est toujours obscur. Pourquoi 6? Ah, parce que j'ai 6 bonhommes. Ah, c'était pour ça. Sous forme de chargement. Ok, formidable. Passage de niveau? Enfin, faut y passer à un moment donné. Hein. Bah, Ardor. Avec son petit 60 d'endu. C'est pas mal. Technométrie, je suis fort. En sachant que j'ai plus besoin de pousser la technométrise. Et je suis pas mal en intimidation et athlétisme. Ok. Allons-y. On propose d'augmenter l'athlétisme. Ou autre chose, mais bon, on m'a proposé l'athlétisme. Cible facile, dégâts critiques du combattant augmentent de 10 plus fois votre force contre les ennemis non équipés d'une arme de mêlée. C'est pas mal. Ça permet de one-tap les tireurs, mais bon, en général, les tireurs ils sont one-tap donc. Non, non, faut aller chercher de l'entraînement passif. Compétence de base, athlétisme. Plus 7 en athlétisme, le personnage peut améliorer cette compétence si son archétype ou son origine ne le permet pas. Je sais pas, mais ça m'a l'air pas mal aussi. D'avoir quelqu'un qualifié en athlète. Et en intimidation. Genre monter en intimidation, c'est pas mal. Mais intimidation, le problème, c'est que je me dis, ouais, même si je mets 7 points d'intimidation, c'est bien. Mais en termes de social, je suis éclaté par rapport à Cassia. Donc c'est presque un peu une perte de... Une perte de la compétence.
Ah, c'est pas mal d'être expert en armes quand même. Ok. Épée tronçonneuse. Arme tronçonneuse, ok, c'est toutes les armes tronçonneuses, ok. Ça m'ajouterait 4 points, c'est pas mal, expert en armes tronçonneuses. Formation à l'endu. Oh, tu sais quoi, j'ai monté mon athlétisme, je vais augmenter ma force. Terminé. Simple, efficace, on est passé à 50 de force, ça fait plaisir. Athlétisme à 75. J'ai des arguments. 65 d'athlé. Oh le cochon. Oh mon cochon. On va pousser sur ta force aussi. Hein. Hop. Athlé. Ah je peux pas prendre athlétisme. Suivant. Ici. Ah non, je veux ça. Ah je peux pas. Intimidation, démolition. T'es à 40, Argentite à 60. Cassia est déjà à 55, tu vois, ça sert tellement à rien. Parce qu'elle est médoc, résistance aux toxines. Vous disposez déjà de cette caractéristique. Ah ouais, j'ai déjà pris. Ok, bon bah ça marche. Ça marche, ça marche. Même tarif pour toi. On va aller te chercher. On va aller chercher un peu de. Ah, on va gonfler un peu le bonhomme. J'ai déjà pris force. Ah, ok. Eh bien, ce sera endu. Il dira. Il dira. Capacité de tir, ça sert à rien que je l'augmente. La perception, c'est bien. Force mentale, c'est bien. Mais perception, je crois que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui est très fort. Ouais, 55. Cassia. Cassia, perception, c'est pas mal aussi. Force mentale, stabilité, on s'en fout. Et j'avais commencé à pousser l'intelligence de ce personnage. Mais qui a pas l'air si intelligent que ça. Je t'avais déjà pris la capacité à être intelligent. J'ai déjà pris intelligence et force mentale. Ok. Maîtrise des armes, tout ça n'intéresse pas grand monde. Évidence des points faibles réduit l'endurance et la force mentale des cibles. Ah, c'est pas mal. Il bénéficie d'un point de dégâts de droit sur les dégâts, c'est bon quoi. Mise en évidence instantanée, la mise en évidence des points faibles coûte 0 PA. Non, non, vas-y. Apprentissage passif. On se promet au combat, l'opérateur distributeur étant le même nombre d'exploits que lorsqu'il utilise analyse des ennemis parmi tous les ennemis situés dans un rayon de 10 cases. Non, c'est bon, t'inquiète, on va s'en sortir. Chance contre nature. Lorsque comme ça sur un allié qui n'est pas sous l'effet de chance contre nature, cet allié obtient chance contre nature. Lorsqu'un allié subit un coup critique, celui-ci se transforme en coup standard. Et l'effet de chance contre nature se dissipe. C'est pas mal. Il y a beaucoup de choses, les mecs. Seconde vue. Je pourrais taper les gens beaucoup plus loin. Des choses qui ont l'air rigolo quand même, hein.
Une cible en feu subit des dégâts de feu à chaque round. Une cible affecte également un test. Ça, c'est si je suis enflammé. Hein. Ok. Il faut que je sois cramé. Est-ce que j'ai envie de cramer? Je suis pas sûr. Hein. Il y a beaucoup de choses, quoi. Vraiment, il y a une tannée de trucs, quoi. S'accompagne d'une pénalité. Le problème, c'est que cette tentative d'esquive, je sais pas si elle s'applique uniquement quand le Psyker vise quelqu'un, ou si c'est tout le monde et n'importe qui dans les squads qui shoot. Aurait du destin. Allez. C'est rigolo, on maximise les coups critiques. C'est marrant, c'est un personnage qui donne beaucoup de passifs en fait. Mais exploitation de l'environnement. De 10-20%. Imprévisible. Rechargement rapide. Je suis sur Argenta. Hein. Alors ça c'est ultra faible, mais si ce 2% s'améliore sur la base du force mentale, ok. On présente la dizaine de sa force mentale. Oh, c'est un peu rigolo. C'est un peu une stat toute petite et ridicule. Mais j'aime beaucoup. T'es déjà une spécialiste des armes à plasma. Ok, je suppose que du coup les bolters rentrent dans cette catégorie. Sinon c'est un peu con. Non, expert en armes à bolt. Ok. C'est quand même con de se traîner un bolter et de pas être compétent dessus depuis le début. Mais force mentale. Allez, force et mentale de fromage. Démolition. Démolition, t'es à 60. C'est toi la championne poids lourd de la démolition. Connaissance de l'Imperium. Tout le monde est nul. Tout le monde est nul. On sait pas ce que c'est l'Imperium. C'est un truc de l'humanité, c'est tout ce qu'on sait. On n'est pas au courant. Trop d'aliens dans cette escouade. Mec, on n'est pas au courant. C'est quoi ce truc? On sait pas. Ok. Excusez-moi, je suis pas très très bavard sur le sur l'augmentation des persos. Hein. Et, on va y arriver. Hein. Chaque fois que j'utilise une compétence sur un allié, je gagne de... C'est pas mal. La détermination augmente de 3. Ça me paraît pas mal. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Allez, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et puis pareil, on va essayer de t'entraîner, de te rendre compétent des trucs. Pas athlétisme, c'est bon, on a des spécialistes. Pro de l'intimidation, parce qu'on joue quand même à Lord Commissaire, faut quand même pas déconner. Ah oui, mais alors putain, ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Je t'ai débloqué encore aucune formation. C'est la sociabilité. Ok. Suivant, je vais prendre ta formation à la sociale. T'es déjà 55 en commerce, c'est pas mal. Persuasion, on est à 65, c'est très beau. L'Imperium, c'est quoi? On sait pas. On sait pas. On sait pas. Suivant. Soit commerce, soit je bourre encore l'intimidation. Elle est déjà à 55.
Je pourrais rajouter 10, ce serait rigolo. Allez. C'est le niveau de l'oppression. Voilà, elle devient plus alien. Encore. Cible fraîche, chaque fois que l'opérateur attaque un ennemi dont la réserve de blessure est pleine, cette attaque lui inflige 10 plus bonus de perception. Alors oui, alors par contre, tes caractéristiques à toi, tu es très intelligent. T'as une perception éclatée. T'as des bonnes stats de combat. Ok, t'as des bonnes stats de combat et t'es intelligent. Ce qui est très bizarre. Une sorte de DPS. Corps faible, âme faible, endurance et la force des ennemis de moins 3 machin. Ok. Ok. Alors, t'as l'air d'être un tireur sniper. Difficile de plus 3 en capacité de tir. Plus bonus d'intelligence divisé par 2. Très intéressant. Je pense que ça peut faire un très bon sniper, ce personnage en fait. Et je vais aller valider ça. Acier de la forge, on l'a déjà. Armement à son apogée. Plasma, fusion ou incendiaire. J'ai rien de tout ça, mon pote. Faut les jouer en lance-flamme en fait, ces cas-là. Les 10% s'appliquent. Un bonus cumulatif de 10% s'applique aux chances d'infliger un coup critique et à la réduction d'esquive des personnages des mondes forges. Ok, qui touche une cible lors d'une attaque à la cible unique. Les coups critiques réussis. C'est trop de spécificité. C'est genre. J'augmente mes chances de coup critique, mais je réduis mon esquive, mais que si je tire sur avec une compétence à cible unique, ça m'emmerde. Waouh. Peuvent utiliser les compétences persuasion, intimidation et commerce sur la base de l'intelligence plutôt que de la sociabilité. Oh. C'est terminé, j'ai rien d'autre à ajouter. Rien d'autre à ajouter, mec. Voilà, il veut du balèze d'un coup. D'un coup d'un seul, il veut du balèze. Est-ce que je peux aller voir ton inventaire, mon ami? Lui, le Pasquale. Charles Pasquale. Pénalité d'esquive 0,75. Propriété de l'armure, beaucoup de choses, quoi. Cette armure fait beaucoup de choses. Allons voir déjà les pros de l'armure légère, là. Il y en a qui portent des armures légères, je crois. Ouais, c'est ça. Réduit subi, c'est qu'il y a une moyenne de ce chapitre de 5%. Ok, pas sur un. Voilà. Pas sur une cuirasse, à moins que. Voilà, c'est ça que j'ai pas regardé. Propriété de l'armure de base, plus 5% d'esquive si l'agilité est de l'utilisateur est supérieure à 40. Est supérieur à 40, pas égal à 40. Bah toi tu portes du moyen, hein. Donc je vais quand même pas non plus de basculer en léger. Armure à par éclat, tatatata, 10% de chance de réussir une parade contre les attaques de mêlée. Plus 5 d'agilité. Ça. Alors, ça fait quoi 5% d'esquive? Si l'agilité est supérieure à 40. Je voudrais juste voir si ça fonctionne ou pas. Tac. J'ai pas vu l'esquive. L'esquive c'est... Esquive là, on est à 70. Et où ton armure? J'ai paumé son armure. Elle est où ton armure? C'était une armure de base à la con? Non, ça c'est une moyenne.
C'était quoi que t'avais comme armure? Bah mince alors. Bon, je vais te laisser ça, ça te va très bien. Toi, t'as une pénalité d'esquive. Que t'as 25% d'armure, c'est cool. Et là, t'as quand même une chance sur deux d'esquiver les trucs. Le bonus est contre les trucs de. Contre les armes de mêlée. Nous, on porte du lourd, on porte du moyen, on porte quoi? Ouais, vas-y, je. J'ai envie de la mettre à barre d'or parce qu'il est mieux. Ah oui, mais j'ai déjà mis une belle armure. Ok. Ça dépend, toi, tu portes que du léger, c'est quoi? Du moyen. Ah oui, mais du moyen textuel, hein, du moyen. Du moyen spécialement. Voilà. C'est cool. Ok, c'est pas mal. Ouais, des notes qui traînent de partout, ça veut rien dire ça. Non, non, c'est bon, info, ouais, super, cool. De l'eau noire, c'était. Ouais, ok, c'était le truc que je traîne déjà depuis. Depuis l'autre fois. On a des greux. On a des greux, on a des greux. On a des grenades, mon chef. Tiens. Et la grenade de force. Parce que ça a l'air rigolo aussi. Alors, je vais pas forcément t'en mettre, mais grenade de force, toi, j'ai envie de t'en mettre. Ah, regardez-moi cette petite carrière de grenadier qui se dessine là. Est-ce qu'elle est pas mignonne, cette petite carrière de grenadier? Oh là là là, c'est pas très joli. Antidote adaptatif. T'es déjà chargé. T'as déjà des trucs. J'ai déjà des trucs. Bon, je vais prendre quelqu'un qui est un peu plus à l'arrière. Prendre antidote à la con. Alors, j'ai juste éloigné les choses d'autres choses. Toi, Argentin. Tu as. Alors. Ouais, toi, on peut faire de toi un sniper. Hein, c'est un peu le projet. Ah, tu peux pas. Tu peux pas switch. Est-ce que tu nous filerais pas ce fusil laser là? Est-ce qu'on peut mettre ça à la place de ça? Ça me paraît très bien. Ça me paraît être une excellente idée. Ça c'est quoi? C'est une grenade à gaz. Je vais te donner des trucs rigolos mon copain. Hein. On va s'abuser. Hein. Les vrais flingues, les couteaux, les machins. On va séparer le stuff. Et sinon, je voudrais aller voir la madame qui est ici. Ta vaillance immuable est moins bien qu'un bolter. Alors que c'est un bolter. Info. T'as un bonus? Non. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Est-ce qu'il y a une info que j'ai loupée là? Plus de dégâts. Un peu moins de cadence de tir. Cadence de tir réduite. Portée la même. Même nombre de munitions. Oh. J'accepte de prendre ce flingue. Hein? Ah oui, mais je sais pas avec lequel. Ok. Vaillance immuable. On va te stocker. Botte de tireur, chaque fois que l'utilisateur inflige des dégâts à un ennemi, il a 25% de chance de gagner 2 de points de déter. 2 points de déter. De l'eau noire, de machin. Ça c'est quoi? Petit adaptatif. Je suis d'accord pour que ce soit toi qui le prenne. Voilà. Et on a des grosses valoches. Restitue moult blessures. Restitue moins de moult blessures. Ok. C'est qui notre spécialiste de la médecine déjà? 20? 30? 60? Désolé vieux, hein, je vais t'enlever des jouets. Hein. Je vais t'enlever des jouets parce qu'en fait... t'es notre spécialiste de la médecine. Ah, tu refuses de soigner des gens? Oh le bâtard. C'est pas très gentil d'être méchant, mec. Ok. Nouveau modèle de fusil, c'est ça? Euh...
Ok. Je vais finir ça en off, hein, je suis désolé. Mais j'arrête l'épisode ici, il faut que j'y aille. Je vous remercie, c'était Knarfant sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine, ciao.